une petite question pour toi, Laetitia. Question d'Irène. Je croise souvent des gens qui circulent en scooter avec leur chien coincé entre les jambes et je trouve ça plutôt dangereux. Ah ouais. Comment pourrais-je transporter mon petit bulldog sur mon dos roux sans lui faire prendre de risques? C'est vrai que c'est dangereux, vous le savez. Hein. Avoir un chien là, entre ses jambes, s'il bouge, il y a danger d'accident, bien sûr, pour le maître. Et puis, le chien peut sauter. Moi, j'ai vu des chiens qui sont venus à la clinique parce qu'ils avaient sauté du scooter, parce qu'ils avaient eu peur de je ne sais quoi. Ils sautent, accident. Et puis surtout, ce que je vois beaucoup chez les chiens motards, c'est les conjonctivites et les otites. À cause de ça, à cause du vent. Bah oui, et oui, voilà, et surtout les bulldogs qui ont sport. C'est pour ça qu'ils mettent de lunettes dans les sidecars. Mais c'est pour ça que je leur conseille, surtout pour les bulldogs, parce qu'ils ont vraiment une fragilité au niveau des yeux et des oreilles, de mettre des lunettes et même il y a des casques. Des bonnets. Des bonnets. Pour animaux. Protéger. Alors c'est un peu ridicule, mais au moins ça protège les oreilles du vent et des coups d'air. D'accord. Donc, il existe quand même. Concernant les scooters et les motos, il existe maintenant des top cases pour les chiens. Ouais. Donc des petits coffres qu'on met à l'arrière. Ouais, qu'on met à l'arrière, qui sont vraiment prévus, voyez, comme celui-là. Alors ça, vous le mettez derrière. Alors, ce qui est bien quand c'est derrière, c'est que ça ne distrait pas le motard, bien sûr. Que le problème, c'est que si on a un chien devant, on peut pas avoir un trop gros chien, quoi. Alors, 10 kg max. Ouais. Donc vous pouvez mettre un chien ou un chat. 10 kg max. Alors, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Vous mettez le chien dedans. Il a un hublot. Et puis, vous pouvez, bien sûr, fermer le hublot. Et vous pouvez aussi attacher son collier à l'intérieur pour qu'il ne bouge pas trop. Et voilà. Ah, c'est bien, et c'est homologué, il paraît, pour mettre sur n'importe quel scooter, moto ou vélo. Alors, pour les vélos, il y a aussi, si vous voulez, des paniers que l'on met devant les vélos. Devant. Oui. Justement, avec une grille. Et il y a même des... Alors, ils appellent ça des roulottes à chiens. C'est plutôt des remorques à chiens que vous mettez... J'ai déjà vu ça. Voilà, que vous mettez derrière vous, avec le chien dans cette petite remorque. Et vous pouvez emmener votre chien, comme vous voulez, pendant des kilomètres. Voilà, sans problème. Formidable. Parfait. Question pour Fabien, maintenant, d'Aurélie de Pau. Cela fait 2 ans que je suis employé dans une entreprise et que je paye la mutuelle collective obligatoire. Or, je n'en bénéficie pas puisque je ne suis même pas inscrite. Suis-je en droit de demander un remboursement à mon employeur ? Je ne pense pas. Y a deux cas de figure. Si le patron a effectivement encaissé les cotisations de l'employé et ne les a pas reversées à l'organisme mutuel, c'est de l'abus de bien social, il va avoir une gigantesque amende s'il est dénoncé à l'inspection du travail. C'est rarissime, sauf avoir un patron voyou, évidemment, il fait ça. Auquel cas, bien évidemment, il y aurait remboursement de toutes les cotisations depuis 2 ans, plus des dommages et intérêts. Le taux pour les litiges commerciaux et autres de ce genre-là, c'est 3,73% là, au premier semestre 2018. Tout ça, c'est vrai. Mais en réalité, il y a de nombreux cas de figure qui montrent que ce n'est pas le patron qui n'a pas inscrit l'employé à la mutuelle. L'employé qui n'a pas fait son travail. Non, pas du tout. Non. L'employé, il n'a rien qu'à signer quand on rentre dans l'entreprise. Parce qu'elle n'est pas inscrite. Ça veut dire quoi ? Parce que la mutuelle ne l'a pas enregistrée. C'est un bug. Il y en a énormément de cas comme ça. Tant qu'il n'y a pas de remboursement, la mutuelle, en liaison avec l'employeur, ne le sait pas qu'elle n'est pas inscrite. Mmh. Pour ça, il faut bien sûr avoir un pépin de santé pour voir que ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est une régularisation d'enregistrement. Pour ça, il faut aller voir le DRH ou la mutuelle. Ça se fait assez rapidement. Alors maintenant, s'il y a eu, durant ces 2 années, des soins effectivement avérés qui n'ont pas été remboursés, là aussi quand même, il va y avoir un mouvement rétroactif de fait qu'on va rembourser tous les soins qui n'avaient pas été pris en compte alors qu'elle était effectivement enregistrée. Je n'ai pas bien saisi le sens de cette question du coup. Est-ce qu'elle vient de s'en apercevoir ou est-ce qu'elle n'a jamais été remboursée ? Auquel cas, il fallait peut-être un petit peu quand même s'interroger. Et là aussi, s'il y a eu problème... Est-ce que tu ne peux pas refuser de t'inscrire parce que tu es par ailleurs sur la mutuelle ? Je ne sais pas si elle a un époux ou tu vois, si elle a une mutuelle plus intéressante. Il y a deux cas de figure dans lequel on peut refuser une mutuelle comme ça. C'est effectivement celui-ci. Si on est dans une mutuelle obligatoire du conjoint par ailleurs, d'un ayant droit quelconque, mais du conjoint généralement, ou alors quand on a une assurance individuelle, jusqu'à l'échéance de l'assurance individuelle, on a droit de la refuser, mais pas après. D'accord. Autrement dit, là, va se faire rembourser ou pas, je ne sais pas si elle est inscrite ou pas, mais à mon avis, ce n'est pas le problème, je vous l'ai dit, c'est un problème d'enregistrement, c'est clair. Ouais. D'accord. Gérard, question, elle sera même en ligne avec nous, Régine, pour te poser sa question. Bonjour Régine. Oui, bonjour Maya.
Bienvenue dans la quotidienne. D'où nous appelez-vous, Régine ? Saint-Maur des Fossés dans le 94. Parfait. Et vous avez besoin des conseils de Gérard. On écoute votre question. Allez-y. Oui, j'ai besoin de ses conseils. Bonjour, maître. Bonjour. Voilà, je suis divorcée depuis 10 ans, mais je vis toujours avec mon ex-mari dans la même maison. Où nous avons réparti les parties communes et les parties privées. Cette situation me pèse et je voudrais, moi, vendre la maison, mais mon mari s'y oppose. Est-ce que j'ai un recours ? Oui, vous avez un recours, Régine. D'abord, il y a une règle générale. Une fois que le divorce est prononcé, qu'on a un bien commun, c'est comme si on avait un bien avec Laetitia, avec Thomas. On est co-indivisaire, si on est propriétaire ensemble de la même maison. Et il y a une règle générale du droit, nul n'est tenu de rester en indivision est-il inscrit dans la loi, c'est-à-dire, s'il y en a un qui veut arrêter l'indivision, l'autre ne peut pas s'y opposer. Jusque-là, c'est simple. Oui. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est dans la suite de votre divorce. Actuellement, les choses ont été extrêmement simplifiées par la loi, parce que quand on fait la convention de divorce, on prévoit comment ça se passe pour la maison, si on vend, si on ne vend pas, au bout de combien de temps, etc. Mais compte tenu de l'ancienneté de votre divorce, puisqu'on est en 2008, à l'époque, c'est le jugement du tribunal qui désigne un notaire pour vendre la maison s'il n'y a pas d'accord ou oui. pour faire une indemnisation financière d'un ou de l'autre. Est-ce que vous avez saisi le notaire qui était désigné par le jugement de divorce ? Non, je n'ai rien fait parce que pour l'instant, c'est moi qui fais les démarches. Mon ex-mari. Oui. D'accord. Alors, parce que ce jugement, donc, que soit un divorce à l'amiable, pour faute, sera peu importe. Le jugement, à l'époque, nommait un notaire chargé de liquider la communauté. Donc il convoque les deux. Soit les deux sont d'accord, ben c'est bien, il fait les documents nécessaires pour la vente, soit l'un des deux s'y oppose, il fait ce qu'on appelle un procès-verbal de difficulté. Il fait un rapport au tribunal en disant « je ne peux pas partager, un des deux s'y oppose ». Et là, il y a un nouveau jugement du tribunal qui ordonne la vente, que votre mari soit d'accord ou pas. Il faut que vous expliquiez à votre mari qu'il a tout à perdre là-dedans, qu'on va avoir des frais considérables, que ça va être une vente aux enchères, personne n'a la garantie de combien sera vendu, ou si lui veut la maison, personne sait à combien elle sera estimée, puisque c'est un expert qui chiffrera. Donc franchement, il faut s'arranger à l'amiable, devant le notaire ou avec les avocats, mais il faut trouver un accord. Il faut qu'il comprenne que maintenant que vous ne voulez plus, ce qui est légitime, c'est son intérêt aussi. Pardon, Régine, mais pourquoi votre mari s'y oppose ? Parce que il est bien professionnellement, il est à côté de son travail, matériellement il est bien, et puis il a sa famille à côté. Alors que moi c'est tout l'inverse. La situation lui convient. Oui, il faut lui proposer qu'il achète, qu'il vous fasse une offre. Avec le convient, voilà, il veut vous acheter la maison. Mettre l'offre, je lui ai proposé. Simplement, il m'a dit qu'il ne voulait pas se remettre un crédit sur le dos à son âge. Eh oui. Ben, là, pour l'instant, c'est insoluble. Donc là, le conseil pour Régine, clairement, c'est le notaire. Régine. Voilà. Qui est désigné par le jugement du tribunal. Voilà, Régine. D'accord. Eh ben, bon courage dans vos démarches. Et vous nous tenez, tenez-nous au courant. Merci beaucoup pour votre appel. Et continuez comme ça. Merci beaucoup. À bientôt, Régine. À bientôt.